Hello le monde, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode des cafés virtuels du Business Bonheur. Ce soir, on va voir du lourd. On va voir comment est-ce que tu peux utiliser les tunnels de vente pour te libérer du temps dans ton agenda. Alors, si tu sais pas ce que c'est un tunnel de vente, sois rassuré, on va en parler. Si tu sais pas non plus à quoi ça sert de vider son agenda, eh bien, on va t'en parler aussi. Et ce soir, je suis pas seul, je suis avec Lucas Beguin qui est donc business mixologiste. On a déjà fait un live ensemble. Salut Lucas. Hello! J'espère que tu vas bien. Mais écoute, ça va toujours, hein? Surtout quand on va se faire une petite discussion comme ça d'une heure, c'est toujours toujours chouette, donc Yes. je vais super. Entrepreneur optimiste jusqu'au bout. C'est en tous les cas, c'est vers ça que tu accompagnes les gens, hein, à devenir des entrepreneurs optimistes. Donc tu accompagnes les entrepreneurs qui le sont peut-être déjà un petit peu, à l'être encore plus et à s'épanouir dans leur quotidien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes et après, ben voilà, je lance le générique et on est parti pour ce nouveau café virtuel du Business Bonheur. Ben écoute, Lucas Beguin, 29 ans, et donc je suis business mixologiste. C'est-à-dire que la business mixologie, en fait, c'est l'art de mixer les ingrédients forts d'une personne pour l'aider à créer sa propre recette du succès et devenir ou redevenir des entrepreneurs optimistes et donc booster leur business derrière. Top, eh bien, écoute, on va en parler avec grand plaisir. On va parler de business et de tunnel de vente. Donc, tu restes avec nous, toi qui nous regardes ici. Interagis en commentaire si tu le souhaites. Et on se retrouve donc dans quelques secondes pour en parler avec grand plaisir. Générique. Rebonjour, donc on est parti pour ce live. Donc avec Lucas et on va parler donc de tunnel de vente. Alors si tu es ici présent avec nous ce soir, c'est que il y a peut-être un mot-clé ou un autre, ou peut-être les deux, et l'association des deux qui t'ont attiré. Peut-être que tu as envie d'en savoir plus sur ce qu'est un tunnel de vente. Peut-être que tu as envie de libérer du temps dans ton agenda. Eh bien, tu es au bon endroit parce qu'on va te partager une recette et des bonnes raisons de faire les deux en même temps et d'utiliser les tunnels de vente pour libérer ton agenda. Lucas, est-ce que tu peux du coup peut-être nous dire pourquoi tu avais envie de parler de ce sujet ce soir? Eh ben donc, j'ai eu envie de parler de ce sujet parce qu'en fait, au début, j'étais pas du tout fan. Je lisais beaucoup de quand j'ai vraiment fait le switch comme entrepreneur du web, donc que j'ai commencé à proposer du coaching à distance et des produits. J'étais un peu contre le tunnel de vente parce que pour moi, le tunnel de vente, c'est quelque chose de toujours très froid, du contenu à distance, etc. Et donc, je ne voyais pas l'intérêt. Et donc, j'étais un peu contre. Et comme on dit avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je me suis un peu renseigné dessus. Et en fait, j'ai commencé à appliquer. C'est d'ailleurs en étant accompagné que j'ai commencé à mettre ça en place. Et on verra qu'il y a différents types de tunnels de vente. Mais en les mettant vraiment en place, ben, j'ai eu des résultats, notamment en termes de temps, mais aussi en termes de rentabilité, puisque des produits se vendaient beaucoup mieux, plus facilement, même de manière plus automatisée. Et donc, c'est comme ça, ben, que quand tu m'as demandé sur quelle thématique parler, ben, j'ai pensé au tunnel de vente, parce que je trouve que c'est quelque chose qui aujourd'hui aide les personnes, qui est comme moi à l'époque, est mal compris. Et en fait, comment est-ce que je suis passé de mal compris à comprendre ce que c'était? C'est qu'en fait, tunnel de vente, j'imaginais toujours ces trucs de marketeux, toujours très avec plein. C'est à l'américaine, là où tu veux acheter quelque chose, mais derrière, tu as 10 pages de est-ce que tu es sûr que tu veux pas ça, ça, ça en plus? Donc, j'étais pas fan de ça. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit, mais en fait, un tunnel de vente, c'est juste l'expérience client entre le moment où il te découvre et le moment où il achète ton produit. Et le jour où j'ai commencé à comprendre ça, ça a totalement changé ma façon de voir le truc. Oui, exact. C'est vrai qu'aux États-Unis, en fonction de la culture, hein, je suis sûr qu'au Japon, ce sera encore différent. J'avoue que j'ai jamais analysé de tunnel de vente japonais. Ça pourrait être intéressant, À pour le tester. fun. Mais en fait, oui, donc les tunnels de vente, ça existait déjà avant Internet. C'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est le fait qu'à partir du moment où une personne est sensiblement intéressée par, ou en tout cas a un besoin et après est sensiblement intéressée par avoir une solution pour régler ce besoin. Là, l'entreprise arrive, le début du tunnel de vente commence et on l'amène vers après ben, une relation. Donc effectivement, tu as très bien résumé ça avec le concept d'expérience client. Ça a été transposé
sur Internet. Alors, il y en a qui en abusent, hein, c'est un outil, donc on peut l'utiliser correctement, on peut l'utiliser maladroitement, si je puis dire ça comme ça. C'est vrai qu'aux États-Unis, tu vas avoir un truc gratuit ou parfois même payant à 7 euros, puis on va te proposer le truc à 27, puis à 47, puis à 67, voire après parfois 297, 997, soyons fous. Et c'est ancré en eux, en fait. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'ils mettent en avant le gros bouton d'achat. Et en tout petit en dessous, c'est si vous voulez louper cette offre exceptionnelle, cliquez ici avec juste un lien. C'est voilà. Bon, toi, c'est pas comme ça que tu l'utilises aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu comment toi tu utilises ce tunnel de vente aujourd'hui, puisque ben, tu l'as adapté en fait à qui tu es et à la manière dont tu avais envie de fonctionner avec tes clients. Alors, je l'utilise aujourd'hui de deux manières différentes parce que j'ai deux projets différents. Il y a d'abord le projet de la business mixology, où là, je l'utilise pour tout ce qui est, c'est pour vendre mon mentorat, en fait, pour vendre mon accompagnement coaching. Là, je l'utilise plutôt, comme tu le disais à juste titre, pour libérer mon agenda et pour surtout éviter beaucoup d'échanges d'emails, etc. Donc, ce premier tunnel de vente, il est très simple. C'est soit via une pub, et encore, je ne le fais pas souvent par rapport à ça, soit lors d'un webinaire ou quoi, je redirige les gens vers un lien où ils vont pouvoir avoir un appel avec moi. Et en fait, il faut savoir que ce lien-là va faire tout seul le rendez-vous. C'est-à-dire que c'est soit Calendly, soit YouCanBookMe, où je vais donner mes disponibilités à la plateforme. Et en fait, les gens vont pouvoir sélectionner, répondre à des questions, puis moi, je n'ai plus qu'à appeler sur un bouton et les appeler. Et donc derrière, là, bah, arrive la partie vente, où là, c'est au téléphone, bah, que je discute avec la personne et si je vois bah, qu'elle a des obstacles que moi je peux ou moi je peux l'aider, bah, alors je vais lui parler de mon mentorat. Sinon, bah, on aura passé un bon moment au téléphone, mais sans plus. Donc là, c'est vraiment la partie tunnel de vente pour vendre le mentorat, le coaching que je fais. Yes. Après, il y a une deuxième. Oui, dis-moi. Non, je disais, j'acquiesce, c'est tout simplement. Et donc, il y a le D'accord. deuxième. Et donc, il y a le deuxième où là, bah, ici, je vais te lancer un nouveau projet avec un ami qui pour le moment est au Mexique, qui s'appelle Robin. On a lancé le concept qui s'appelle Client à la demande, où là, notre objectif, c'est vraiment d'aider les personnes à créer des business en ligne qui sont rentables et à développer leur business en ligne. Donc là, on a trois types de personnes. C'est ceux qui n'y connaissent rien, rien du tout au business en ligne, tout ce qui est formation en ligne, coaching en ligne, etc. On les aide à bah, passer le cap. Ceux qui ont déjà un business en ligne mais qui n'est pas rentable, on va l'aider à le rendre rentable. Et puis alors, le dernier point, c'est ceux qui ont déjà un business qui est déjà rentable en ligne, on va les aider à atteindre des étapes supplémentaire. Et donc là, par contre, on est toujours des partisans de tester avant de l'enseigner. Et donc là, j'ai créé des produits. Et donc j'ai testé des tunnels de vente pour des produits, donc des produits numériques, ce sont, ou des produits digitaux, hein, ça dépend comment on en parle. Ou là, ce sont des produits souvent à moins d'une centaine d'euros. Et donc on regarde vraiment comment mettre en place la page de vente, la page d'upsell, la page de remerciement, mais tout en essayant d'avoir quelque chose de propre. Parce qu'en fait, tu parlais tout à l'heure des Américains. Moi, ce qui me rebutait, en fait, c'était le côté dégueulasse, en fait, de leur site, avec des gros boutons de partout. Tu sais pas trop regarder, tu sais pas trop, tu dois cliquer, tu as peur de ce que tu vas faire, etc. Et en fait, nous, on essayait vraiment d'adapter ça, de mettre soit un beau site, en fait, parce qu'en soi, les upsells et les choses comme ça existe sur tous les sites. Mais c'est plus propre, la plupart du temps. Et donc, ce n'est pas grossier. Et on peut vraiment le faire. Donc voilà, c'est Oui, vraiment moi les deux types de tunnels que j'utilise aujourd'hui. ça fait moins bourrin aussi quand c'est quelque C'est chose ça. de propre. Ça fait moins rentre dedans. Moi, j'aime bien comparer ça, tu sais, au gars qui va te vendre sur un marché. T'en as un qui va arriver, qui va te dire, tiens, tu veux pas ça? Et puis quand t'as acheté ça, il te dit, tu veux pas ça en plus? Et ça, c'est vraiment genre les pages toutes moches, le tunnel de vente très agressif avec 15 étapes, et à chaque fois le prix il monte, et puis si t'achètes pas, le prix diminue, le downsell, enfin voilà, il y a plein de termes dont on pourra parler par après. Et alors de l'autre côté, t'as le gars qui est sur le marché, qui a vraiment envie de t'aider, de te donner le produit dont t'as besoin, de te conseiller, ben voilà, si t'as une recette à faire le soir, ben il va peut-être te demander, ben tu lui dis, tiens, j'aimerais bien cuisiner ça, qu'est-ce que vous me conseillez avec ça, etc. Et donc, il y a vraiment en fait deux types d'utilisation, je veux dire, si on a des extrêmes. Tu as l'utilisation agressive et maladroite, voire mal intentionnée parfois, des tunnels de vente. Et puis tu as l'utilisation des tunnels de vente de manière bienveillante, éthique, ou d'autres mots qu'on pourrait mettre là-dessus, d'autres adjectifs. Et donc vous vous dirigez vraiment plus vers ce modèle-là. Et ça fait partie. Enfin, le design fait partie de ça parce qu'en fait, on respecte la personne qui vient sur le site. Tu as vraiment ce côté de ce que j'entends.
où tu prends pas le visiteur comme une pompe à fric ou une vache à lait. Et ça, pour moi, ça fait la différence. C'est sûr, le mot éthique, tu l'as dit, et c'est clair et net. Et effectivement, c'est allez, aujourd'hui, tu as plein d'outils qui te permettent de réaliser ces fameux tunnels de vent de manière quasi facile, comme ils le vendent. Mais non, c'est vraiment du temps que tu dois prendre. Et c'est aussi ton image indirectement, quoi, hein, parce que le site, le design va donner confiance aux gens, va leur donner envie d'acheter, en se disant ben, c'est sûrement encore une arnaque ou des choses comme ça. Donc, oui, tout à fait. C'est une part qui est souvent sous-estimée dans ces fameux tunnels de vente, parce que c'est de la technique. Et en fait, c'est ça qu'on s'est rendu compte, c'est que tu as beau avoir plein d'entrepreneurs qui disent la technique, c'est facile maintenant, il y a plein d'outils pour le faire, ça reste quand même du temps et du travail à mettre en place derrière. Ah yes, il y a deux grands métiers. Il y a l'aspect design entre guillemets, même si c'est facilité effectivement aujourd'hui, mais idéalement il faut une cohérence. Il faut pas une page qui est rouge et puis une page qui est complètement à l'opposé en termes de couleur. C'est des choses effectivement qui augmentent la confiance des personnes et qui vont permettre justement de vendre plus facilement. Et puis tu as aussi un deuxième métier dont on parlera dans un autre café virtuel, qui est le copywriting. Alors on peut en parler un peu aujourd'hui évidemment, mais ça fait aussi partie du package. Et quelqu'un qui n'a jamais écrit pour vendre, ce qui est entre guillemets le concept du copywriting, eh bien va avoir du mal. Il a beau avoir une page de vente toute faite, ça ne suffit pas, il faut une bonne accroche, il faut des bonnes listes à puces, etc., etc. Du coup, si j'entends, c'est aussi ce travail-là que vous faites, ton collègue et toi. Tout à fait, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment aider. En fait, c'est aussi aider à être authentique parce qu'on parle beaucoup de copywriting et de choses comme ça. Alors, c'est sûr qu'il y a les grands principes, mais il y a une chose qui reste primordiale, c'est qu'entre un texte qui est super bien écrit, qui suit des bullet points et qu'un texte qui vient vraiment du cœur et qui est authentique, ça marchera peut-être mieux l'authentique, quoi. Donc, parce que je vois beaucoup aussi de gens qui parlent du copywriting, etc. Alors, oui, des fois, ils écrivent bien, mais des fois, c'est vite tourné aussi en manipulation. Et ça, c'est pas une bonne chose parce que dès qu'il y a manipulation, il y a frustration derrière, et donc les gens ben, vont se sentir frustrés. Tandis que quand tu as vraiment parlé normalement, etc., tu ne fais pas de fausses promesses et de choses comme ça, ben, il y a un résultat derrière. Donc oui, le copywriting est important, il faut savoir, ben, c'est comme dans tout, il faut savoir communiquer, donc il faut savoir. Là, le problème, en fait, des fois, des tunnels de vente, et il y en a qui mettent des vidéos quand même, mais c'est que les gens ne te ressentent pas toi. Ils ne ressentent pas ce que tu dis, ils ne ressentent pas ta façon de le penser, etc. Donc, ils ne voient qu'une page, entre guillemets, froide qui est écrite. Et donc, effectivement, il faut que le copywriting fasse ressortir aussi ta personnalité, ton concept, ton authenticité, etc. Donc, oui, copywriting important, mais avec des guillemets, sur le ne pas tomber dans la manipulation, quoi. Oui, c'est ça. Il y a aussi le côté, effectivement, de mettre de soi dans l'écriture. D'ailleurs, le copywriting, c'est aussi dans les emails qu'on va envoyer. Et à noter que sur les pages de son tunnel de vente, aujourd'hui, une vidéo est la bienvenue parce que justement, ça permet de tisser une relation beaucoup plus facilement. Tu vois ici le live qu'on est occupé à faire. Alors, on a la grande trame, on a le sujet qu'on voulait aborder, on a les 3-4 points importants qu'on voulait partager. Mais on le fait au feeling. Je suis pas occupé à lire un texte, tu n'es pas occupé à lire un texte, et c'est ça qui fait la différence, je pense, en tous les cas, d'expérience. Je peux confirmer que c'est ça qui fait la différence aussi, dans un tunnel de vente. C'est être soi-même, et aussi, bah, du coup, être soi-même, ça sous-entend, avoir des imperfections. C'est vrai qu'on C'est pourrait faire ça. une vidéo beaucoup plus léchée, beaucoup plus corporate, mais ça perd de son intérêt, ça perd de son intensité. Voilà, après ça veut pas dire qu'il faut faire de la merde exprès, hein. On est On d'accord. est bien d'accord. Quand on parle d'authenticité, ça veut dire. Moi, je dis souvent, dans les gens qui tournent des vidéos, c'est de faire comme s'ils étaient en train de donner cours devant une classe. Quand tu te trompes, tu commences pas à dire stop, j'arrête le cours, je recommence ma phrase. Non, c'est parce que des gens qui voient quelqu'un trop parfait en face, ça donne pas envie. Donc, une page de vente qui est beaucoup trop parfaite, ça n'a pas de sens non plus parce que on se dit derrière, ça cache quelque chose, quoi. Tandis que de l'authenticité, peut-être utiliser des fois, bon, je le fais pas, mais des gros mots des fois, hein, tu vois, pour aussi choquer, parce qu'on est quelqu'un comme ça qui utilisant peut-être des gros mots ou qui disant souvent certaines choses, certains termes, bah, ça apporte effectivement cette transparence, cette authenticité qui attire les personnes qui vont être intéressantes. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est ça la grosse erreur que font beaucoup, c'est qu'ils essayent de convaincre tout le monde aussi. Dans ces fameux tunnels de vente où ils mettent un maximum possible, le but, c'est quand même d'essayer de trouver qui est son client idéal ou le client qui correspondra le mieux au produit qu'on veut vendre derrière. Et ça, c'est important parce qu'une fois qu'on amène les bonnes personnes, parce qu'en soi, un tunnel,
de vente, c'est comme ce qu'on appelle les funnels en anglais, donc c'est l'entonnoir. Bah, effectivement, l'entonnoir, le but, c'est d'avoir le maximum de personnes au-dessus pour que la conversion soit la plus importante possible en dessous, mais il faut que les gens qui rentrent dans l'entonnoir soient déjà des gens intéressés, Ouais, parce que bon. sinon, ça n'a pas de sens. Oui, parce que du coup, il y a deux grands pièges dans lesquels on peut tomber effectivement aussi. C'est le côté, donc premier piège, celui que tu viens de partager, de mettre entre guillemets des mauvaises personnes, alors enfin des mauvaises personnes, des personnes qui correspondent pas au business dans l'entonnoir. Et du coup, bah, en fait, à un moment donné, on va mettre des personnes, mais elles sont pas intéressées, donc elles vont partir quoi qu'il arrive à la première ou à la deuxième étape. Alors, quand c'est du référencement naturel, ça pose pas vraiment de problème, encore que. Par contre, à partir du moment où tu fais de la pub et des campagnes publicitaires, ça veut dire que si tu attires des mauvaises audiences, ben, tu payes ces mauvaises audiences. Donc tu perds de l'argent. Deuxième grand piège, c'est aussi d'avoir un entonnoir troué, un seau troué. Et ça, c'est fréquent aussi. Je l'ai vécu dans l'expérience avec l'Académie Business Bonheur. Je le vis aussi encore parfois, où je me rends pas compte qu'il y a un lien qui fonctionne pas, où je me rends pas compte que. Et ça, malheureusement, alors. Il faut surveiller, il faut. Moi, ce que je fais, c'est que je me réinscris moi-même à mes tunnels et je laisse la séquence fonctionner pour voir si tout va bien, puisque aussi le business évolue, donc il y a parfois des liens qui changent, etc. Et il faut vraiment éviter de mettre du trafic, donc des audiences, des gens dans cet entonnoir, dans un entonnoir troué, parce que du coup, on perd de l'argent. Donc ça, c'est deux grands pièges que tu peux éviter, toi qui nous regardes aujourd'hui. Et un troisième, si je peux me permettre de te rajouter Je un t'en prie, vas-y. troisième, une chose qui est importante et primordiale avant le copywriting et avant les tunnels, c'est l'offre. C'est l'offre aussi qui doit être bien. Parce qu'un tunnel de vente, c'est ça aussi, c'est une offre. Et tu peux avoir le meilleur copywriting du monde, etc. Si ton offre derrière, elle n'est pas bien, elle n'est pas complète, elle n'est pas au top, bah derrière, même si quelqu'un achète, bah, et encore, si elle n'est pas irrésistible, comme on appelle ça, les gens n'achèteront pas parce qu'ils ne verront pas la plus-value. Ouais, Après, c'est ça. si ton copywriting a été très bon en manipulation et a quand même, pardon, convaincu cette personne, bah, il sera frustré derrière parce que, ouais, on survend du rêve. Et puis, c'est comme si tu avais une vitrine qui est magnifique avec des vêtements de luxe et tout. Et puis, tu rentres dans le magasin et c'est, pardon, c'est quoi? C'est de la contrefaçon et des choses comme ça, quoi. Ouais. Mais c'est clair que en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut. Pour moi, le tunnel de vente est un outil et il faut effectivement avoir validé son business avant d'utiliser cet outil parce qu'effectivement, si ton public cible n'est pas défini ou est vaguement défini, si l'offre n'a pas été achetée par ce public, que tu n'as pas validé ben, ce qu'on appelle le product market fit, si on fait un peu les malins, tu vois. Mais donc, c'est le moment où tu as le marché qui a acheté le produit et donc tu as pu valider en fait que ton offre est en accord et ce public a vraiment envie et besoin d'acheter ce produit-là. Après, le tunnel de vente, effectivement, c'est un outil qui permet de vendre. Il y en a d'autres, hein. Il y a des personnes qui font de l'e-commerce. Alors attention, en fait, dans l'e-commerce, il peut aussi y avoir des tunnels de vente. Donc c'est vraiment le D'accord. concept d'entonnoir, en fait. Ça, C'est c'est la ça, ouais. chose qu'il faut retenir, je pense, de ce concept-là. Est-ce que tu veux Et rajouter quelque chose sur la création des tunnels, un conseil ou l'autre, avant qu'on continue? non, mais écoute, moi, on peut le voir ensuite, mais moi, j'aimerais bien peut-être dessiner en fait de manière très très simple via Zoom, si c'est possible. Je ne sais pas si ce sera partagé mon partage d'écran, mais c'est dessiner en fait une structure. C'est aussi dire aux gens, ne vous prenez pas la tête. Effectivement, il y a moyen aujourd'hui. On voit des personnes qui ont des tunnels de vente très complexes où ça va dans tous les sens. Mais commencez par le simple. Je dis toujours, ne comparez jamais votre niveau 1 au niveau 50 de quelqu'un d'autre. Et donc, ici, moi, ce que j'ai envie de leur montrer après, dans la suite de la discussion, c'est les composantes clés d'un tunnel de base, mais qui peut être rentable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas 10 000 pages, 10 000 trucs pour être rentable. C'est vraiment très simple. Et on peut voir aussi l'univers qu'il y a autour, parce qu'il y a le tunnel de vente, certes, mais il faut attirer des gens dedans. Il faut faire revenir des gens dedans, etc. Donc Yes. ça, c'est vraiment pour moi, il y a trois points de base qu'il faut avoir dedans, en tout cas. Ok, cool. Bah, écoute, je vais préparer ça. Donc, au niveau de la thématique de base qui était créer des tunnels de vente pour se libérer du temps, il y a un des tunnels que tu as proposé. C'est vraiment, on a une page qui attire les gens, sur lequel on attire les gens. Une page qui permet de prendre rendez-vous avec toi directement et c'est de manière automatique. Et puis il y a un rendez-vous qui se fait et tu proposes quelque chose à la fin. Il y a même quelque chose qui est super important. Ben, donc ça, c'est pour moi, ça c'est quand en fait c'est quand on a de la prospection qui a besoin d'avoir un échange avec la personne. Alors
qu'on soit coach, consultant, etc. Aujourd'hui, moi, ce que je fais, effectivement, c'est ça. Donc, soit via une publication que je fais, je dis aux gens, ben voilà, vous voulez discuter, discutons-en. Je mets le lien. Soit des fois, c'est dans une publicité, ou soit des fois, quand des gens viennent me trouver en me disant, ben Lucas, j'aimerais bien qu'on s'appelle, etc. Là, au lieu de commencer à chercher dans mon agenda du moment, j'envoie ce lien-là parce que je sais que ça va trouver. Ah, c'est Donc, parfait. une fois qu'ils cliquent, ils arrivent sur. Alors, il existe plein d'outils comme ça. Je peux en citer deux là, ici, maintenant. Il y a Calendly qui le fait déjà de manière gratuite. Et il y a You Can Book Me. You Can Book Me, vous devez payer. Donc, je vais parler de You Can Book Me parce que moi, c'est celui que j'utilise. Calendly, je ne connais pas les fonctionnalités à 100%. Mais ce qui se passe, c'est que demain, on va vous demander de mettre des disponibilités. Et donc, vous mettez des disponibilités. À savoir aussi que vous allez pouvoir synchroniser votre agenda Calendly, You Can Book Me, pardon, avec votre calendrier Gmail. Donc, ça veut dire que si un jour vous avez mis que vous étiez dispo le lundi matin de 9 à 11 et que dans votre agenda il y a un événement, bah, ce sera considéré comme occupé et donc personne ne, il n'y aura pas de double agenda. Donc, ils choisissent la date que vous avez au préalable décidée. Moi, j'ai un ami, il fait même ça pour les potes, les calls avec ses potes. Et il met, voilà, le vendredi à 17 h, il met les appels qui ne sont moins business ou qui sont plus avec un vieux prospect, etc. Il les met à 17 h, comme ça, il sait que sa journée est finie, là. Une fois que les gens ont choisi, alors sur You Can Book Me, moi je les redirige vers une page de formulaire. Ça veut dire que là, ici, l'objectif de mon tunnel de vente, là, c'est d'avoir des nouveaux clients mentorat. Ça veut dire que moi, ce questionnaire va m'aider à pouvoir faire un tri dedans entre les gens qui veulent juste m'appeler pendant 1 heure ou ceux qui potentiellement seront intéressés. Et donc, il y a des questions du style, ben, qui es-tu? Présente-toi. Donc, c'est nom, prénom, adresse, numéro de téléphone pour que je puisse les recontacter. Décris ton activité en quelques mots. Que fais-tu? Que vends-tu? À quel prix? Etc. Quels sont tes gros obstacles? Et est-ce qu'il y a autre chose que je devrais savoir? Et en fait, rien qu'en regardant les réponses de ça, je peux dire, OK, cette personne-là, je vais lui répondre en mail en disant, écoute, vu tes réponses, je pense pas qu'il y ait un intérêt à ce qu'on s'appelle parce que je pense pas que je pourrais t'aider. Donc, on va perdre notre temps tous les deux. Par contre, si les réponses m'intéressent, ben là, je laisse tourner. Une fois que lui a mis OK sur son formulaire, ça se met directement dans mon agenda. Et moi, j'ai un rappel 15 minutes avant qui me dit, voilà, vous devez appeler telle personne. Je n'ai qu'à sortir mon téléphone, cliquer dans mon agenda, il y a le numéro de téléphone, j'appelle, je relis vite les notes pour savoir un peu de quoi on va parler. Et puis c'est parti. Et là, je fais des appels de 45 minutes, 1 heure, souvent, où je pose principalement 3 questions. Où es-tu aujourd'hui? Explique-moi ton contexte. Vers quoi veux-tu aller? Donc, quels sont tes rêves? Quelles sont tes envies? 3, qu'est-ce qui t'empêche d'y arriver aujourd'hui? Et en fait, avec ces 3 questions, un, on lui apporte déjà de la plus-value pendant cette heure parce qu'on lui permet de se poser lui-même les bonnes questions. Et deuxième chose, moi, la troisième question, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui, me permet de faire un genre de diagnostic qui va dire, OK, ce client-là, je peux l'aider. Il a ça comme problème, ça comme problème, ça comme problème. Ça, je peux l'aider, il n'y a pas de souci. Et donc, à la fin, bah, c'est comme un médecin. Le médecin, vous venez chez le médecin, vous montrez votre genou, etc. Bah, il va vous dire, non, écoute, va voir un spécialiste ou oui, je peux m'occuper de toi. Bah, si moi, je peux m'occuper de toi, je dis au client, bah, écoute, moi, j'ai un programme qui peut t'aider, et puis alors, c'est vendu. Mais tout ce qui est en amont, qui d'habitude prend du temps, bloquer une date, trouver un lieu de rendez-vous, parce que les gens aiment bien le physique et tout, ben là, en fait, c'est automatisé et vous n'agissez qu'au moment où vous allez appeler la personne pour cet échange d'une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure, ça, c'est vous qui décidez un peu le truc. Donc, moi, ici, quand j'ai lancé mon activité, ce mentorat, j'ai eu 15 prises de rendez-vous qui sont tombées en 2 jours. Ça m'a pris 0 minute. C'était une publication réseaux sociaux qui a fait ça. Alors qu'à l'époque, j'aurais dû, pendant 15 fois, faire, allez, en moyenne, on va dire qu'il y a 3 échanges de mails entre le, ouais, non, ça, je suis pas dispo à cette heure-là, mais celle-là plutôt. You Can Book Me vous permet même de changer l'heure de ça. Donc, si vous, à un moment donné, vous dites, ah merde, finalement, je suis plus dispo, vous pouvez modifier l'horaire. Et donc, ça ne prend aucun mail et ça fait gagner beaucoup, beaucoup de Énormément temps parce que vous vous consacrez vraiment au point central. Yes, effectivement, bah, je rebondis là-dessus et puis on va passer à au tableau blanc. Donc, si tu veux te préparer, tu peux. Je suis Il y prêt. a, y a, la, y a la notion de. Donc, moi, j'utilise Bookify, en fait, c'est une OK. alternative, effectivement. Alors, je fais un tri aussi. Donc, j'ai rajouté 10 questions. Donc, c'est pour le bilan à l'Académie Business Bonheur. 10 questions. Et en fait, au début, je me dis, mais qui va répondre à 10 questions? Mais en fait, j'ai quand même des gens qui répondent. Et ils sont beaucoup plus qualifiés parce qu'ils ont pris le temps de s'investir. Moi, je parle beaucoup d'engagement dans mes appels. Et c'est clair que quelqu'un qui a pris le temps de répondre à 10 questions va être généralement plus souvent présent que quelqu'un qui a juste cliqué sur réserver.
Ça me permet aussi de faire un tri, un filtre naturel, de savoir comment je peux aider la personne avant même de lui parler. Et en plus, ce qui est génial, c'est que du coup, ces questions te permettent d'améliorer aussi ton discours que tu vas avoir avec la personne. Et le lien avec les trois questions dont toi tu parles, moi j'utilise le voyage ABCZ, comme tu le sais, dans la méthode Business Bonheur, c'est quel est ton point A, quelle est ta situation actuelle? Quel est ton point Z? Et puis, quelles sont les étapes par lesquelles tu devrais passer ou quels sont les obstacles que tu rencontres actuellement? Et ce qui est génial, c'est qu'à partir du moment où tu sais ça, tu sais si tu sais aider la personne ou pas. Si tu sais pas l'aider, vaut mieux rien lui proposer ou lui renseigner quelqu'un, etc. Mais c'est ça aussi qui est génial quand tu as la relation avec la personne, c'est que du coup, tu lui vends pas ce qu'elle n'a pas besoin. Chose qui peut être, enfin, qui peut être ou même qui est compliquée à faire, je trouve, avec d'autres formats tels que l'email classique. Hein. Va-t'en deviner ou essayer de vraiment bien comprendre les besoins de quelqu'un. Il faut échanger au moins 10 emails avec. Le webinaire avec les questions-réponses, ça peut aller. Plus tu connais ton marché, plus ça peut aller. Mais voilà, l'idéal, c'est des appels parce que clairement, tu sais à qui tu t'adresses et puis tu peux améliorer tout ça. J'en profite pour Et saluer surtout, Isabelle. ouais. Je t'en prie. Salut Isabelle, bah, tu peux la saluer aussi si tu Ah bah Isabelle, salut. veux. mais j'en profite aussi pour, par rapport à ce que tu disais pour clôturer cette partie-là. Ce fameux moyen d'avoir la personne au téléphone et de savoir vraiment quel est son besoin, ça permet de vendre sans vendre, en fait. Et ça, j'en ai beaucoup parlé avec Jérémy Coleman dans un de mes bavardages et notamment avec Lingen aussi, qui lui pousse ça à fond. C'est qu'en fait, ils vendent en coachant, c'est-à-dire que. En discutant avec la personne, ils arrivent à vraiment savoir, OK, quel est l'obstacle? Parce qu'on pose la question, qu'est-ce qui t'en empêche? Et en fait, moi, je n'arrive pas à comprendre ceux qui essayent absolument de vendre et sans savoir. Là, c'est éthique, c'est-à-dire, OK, j'ai ce problème-là, bah, OK, moi, j'ai cette expertise, je peux t'aider. C'est même pas à te le vendre, c'est. Je suis médecin, je reviens là-dessus. Moi, je reviens toujours sur l'exemple du médecin. Tu as mal quelque part, je peux t'opérer, ben go, voilà, je te propose. À la fin, il te donne des médicaments, le médecin. Tu vas pas dire, oui, après, tu es libre de les prendre ou pas. Mais à un moment donné, quand il te fait un diagnostic, il te propose une solution. Moi, quand je fais le diagnostic, je dis, voilà, moi, j'ai un accompagnement de 3 mois. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu fais partie des personnes qui, je pense, je peux aider, parce que je dis aussi que je suis sélectif dans mes clients. Je ne veux pas tout et n'importe quoi. Si tu fais partie de mes critères, bah ok, on peut travailler ensemble. Et donc là, la vente devient beaucoup plus éthique parce qu'on ne doit pas. Quand les gens se sentent un peu imposteurs, c'est quand ils essayent de vendre à quelqu'un qu'on sait qu'il n'en a pas besoin. Et donc arrive le syndrome de l'imposteur en se disant, ouais, mais il va se dire à un moment donné qu'il n'en a pas besoin, etc. Et on arrive voilà avec plein de questions. Tandis que quand c'est la personne elle-même qui t'a dit son problème, dit, bah oui, je peux t'aider, point. Bah ok, allons-y, quoi. Donc Yes, ça, c'est beaucoup plus éthique. en plus le truc c'est que l'accompagnement est d'autant plus qualitatif. Donc par exemple, j'ai l'accompagnement Business Bonheur maintenant qui est vraiment sur un objectif de création de Business Bonheur et j'ai un accompagnement, on en parlait un petit peu en off juste avant, sur les personnes, les entrepreneurs, pour être plus précis, qui désirent transformer leur savoir et partager leur grand message au travers d'un livre. Le tout, donc en écrivant et en publiant ce livre en 3 mois. Mais il est clair que quelqu'un qui vient et qui me dit j'ai envie d'écrire un roman, alors je vais pouvoir lui donner des conseils pendant l'appel stratégique pour lui dire ben voilà, tiens, la différence entre édition et auto-édition, c'est ça, etc. Mais je vais pas lui vendre mon accompagnement. Pourquoi? Parce que moi, j'accompagne des personnes, des entrepreneurs qui veulent écrire de la non-fiction, un livre business. Et donc, l'appel stratégique permet ça aussi. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est même avant ça, hein, parce que j'ai dans le questionnaire, je demande quel est le type de livre que vous voulez écrire, donc ça permet déjà de faire le tri à l'avance, mais encore bien même, t'as pas ce questionnaire, l'appel te permet de clarifier si tu peux aider la personne, et puis aussi si c'est la bonne personne pour toi. Alors on pourrait parler, ouais, mais c'est discriminant, blablabla, bon voilà, le temps est précieux, si on ne sait quand même pas aider la personne, autant pas lui faire perdre son temps, pas faire perdre le nôtre, et avancer. Mais écoute, moi C'est sûr. je vais te mettre en plein écran là, donc OK. je te laisse nous partager le tableau blanc. Il faut juste que tu me donnes l'accès Ah ouais, au attends, partage d'écran. je fais ça tout de suite. Alors, je me trompe. Voilà, ici. Voilà, normalement tu devrais pouvoir. Super. Alors, ça va être un dessin, c'est pas du Picasso, hein. On va y aller Attends, de manière très moi simple, je mais. vais juste. Attends, je vérifie parce que du coup on voit plus ton écran. Alors, 2 secondes. Parce que comme ça a changé de fenêtre. Voilà, ok. Et je te demande juste 2 secondes que je me retire de là parce que du coup sinon on ne te voit pas. En plus, invité plein écran.
Non, c'est David. Ah voilà, je suis là. Voilà. Écoute, là, Top. on te voit, c'est parfait. Vas-y, je t'en prie. Eh ben écoute, là ici, ce que je vais faire, parce que ben, voilà, à chaque fois les appels avec toi, c'est pour partager de la valeur. Je vais dessiner le schéma d'un tunnel de vente classique, mais qui convertit, c'est-à-dire qui fonctionne. Alors, petite parenthèse en amont, il faut que votre offre soit bonne. Ça, c'est très important. Il faut que vous ayez une bonne offre, que vous ayez défini ben, quel est votre client idéal, quel est son plus gros problème. Vous, qu'est-ce que vous allez lui pouvoir lui apporter pour l'aider et de quelle manière vous allez pouvoir lui apporter? Donc ça, c'est vraiment toute la partie offre que je ne prends pas en compte ici. Là, c'est vraiment, on part du principe que vous avez une belle offre. Voilà le schéma que vous allez créer, alors que ce soit via system.io, que ce soit via ClickFunnels, Learnybox, voilà, il y a des outils pour le faire. Il y en a qui le font même eux-mêmes avec WordPress. Mais je vais dessiner vraiment ce schéma de toutes les composantes dont vous avez besoin pour quelque chose qui fonctionne. Et ça, c'est avec ben, mon ami Robin, justement, qu'on a mis ça en place. Et on a réussi à générer plusieurs milliers d'euros les premières semaines grâce à ce système. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc, je fais des dessins qui ne ressemblent pas à des dessins. Donc, écoutez-moi parler parce que c'est comme le prof de maths. Hein, tu vois, le prof de maths, tu sais Ouais, il jamais lire ce dessine qui est écrit au bien. tableau, mais il faut le suivre. Donc, je vais le faire. Ok. Donc, tout tunnel de vente commence par une première page qui est cette fameuse page de vente. Donc, petite page de vente où à la fin, bah, tu as ici le bouton acheter. Il y a une petite astuce. Et ça, c'est sur system.io qu'on a réussi à le faire. C'est que ici, on crée une double inscription. Ça veut dire qu'avant de cliquer sur le bouton acheter, on demande à la personne de mettre son nom et son adresse et de cliquer sur OK pour qu'elle puisse apparaître comment dire, le moment où il va pouvoir payer. Donc ça, c'est une petite astuce. Vous allez comprendre après pourquoi, à quoi elle sert. Une fois qu'ils ont acheté, nous, on est parti du principe. Donc là, ici, c'est sur des produits qui sont à moins de 100 euros habituellement. Là, l'exemple, on en parlera tout à l'heure, on va dire c'est 37 euros ici. Donc, c'est un produit. Donc, ça, c'est la page de vente. Une fois que la personne a cliqué dessus, qu'elle a acheté, on arrive sur ce qu'on appelle la page d'upsell. La page d'upsell, c'est quoi? C'est d'arriver avec un produit qui est complémentaire au premier. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas tout donné ici. Si, on a déjà donné une partie pour arriver à la promesse que l'on veut. Mais là, on lui donne un autre produit qui est complémentaire à celui-là, qui va pouvoir encore mieux les aider. Je prends l'exemple. Ici, par exemple, ce serait perdre du poids grâce à un régime détox. Ben là, ici, l'upsell, ce serait peut-être des exercices physiques pour encore aller plus vite pour réussir son objectif. Donc là, c'est un upsell. On a le bouton upsell. Ou comme tu disais en dessous, après, il a mis non merci. L'upsell ne m'intéresse pas. Donc là, l'upsell, ben, on va dire que tu le mets à 97 euros. Quelque chose que j'ai oublié dans la page de vente que vous pouvez aussi rajouter, c'est ce qu'on appelle un order bump. Alors, c'est encore un terme américain, mais l'order bump, c'est quoi? C'est qu'une fois que tu as décidé ici d'acheter, il y a un petit encart qui est ici et tu peux sélectionner et dire oui, ok, rajouter ça en plus. Et c'est genre une vingtaine d'euros en plus. C'est vraiment un petit produit en plus que vous allez pouvoir rajouter pour augmenter le panier moyen. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a trois façons d'augmenter son panier. C'est un, avoir plus de clients. Deux, c'est augmenter le panier moyen, c'est-à-dire que les personnes augmentent leur portefeuille, ouais, le panier moyen, donc qu'ils achètent plus. Et le troisième, c'est qu'il y a de la récurrence. Là, ici, on est dans le point 2, c'est augmenter le panier moyen. On a la page d'upsell, OK. Il la prend, il ne la prend pas, peu importe. On arrive sur la page de remerciement, où là, on remercie la personne en disant bah, vous allez recevoir un mail, etc., etc. Et là alors, en fonction de certaines personnes, il y en a qui s'arrêtent ici en disant bah, téléchargez le produit, vous l'avez ici. Nous, ce qu'on a rajouté ici, c'est ce qu'on appelle un espace membre. Donc sur system.io, c'est quand vous mettez vos vidéos, donc espace membre, etc. Et donc là, bah, ils peuvent aller consulter vos formations en ligne, ils peuvent aller télécharger la bibliothèque de documents, etc. Ça, c'est vraiment le premier tunnel de base. Mais il ne vit pas tout seul comme ça, ce tunnel. Pour vivre ce tunnel, il va y avoir plusieurs choses qu'on va rajouter. La première chose qu'on va rajouter, c'est comment faire connaître ce tunnel-là. Alors, vous allez le poster sur les réseaux sociaux, certes. Nous, ce qu'on a défini, c'est qu'on avait deux types de publicités qui vont arriver. Ce qu'on appelle le ads classique. Donc, ça, c'est une publicité Facebook que vous allez faire. Ce qu'on appelle du trafic froid. Le trafic froid, c'est que vous allez cibler les entrepreneurs francophones qui veulent développer leur business de manière générale, pour les amener sur cette page. Et ensuite, vous allez faire ce qu'on appelle un retargeting. Retargeting, c'est encore un mot anglais qui veut dire quoi? C'est que de cette pub-là, vous avez eu, imaginons, 1000 personnes qui ont été la voir.
ben, ces 1000 personnes, vous allez pouvoir les retoucher par une publicité pour qu'ils reviennent en disant, tiens, as-tu vraiment vu ce produit-là, etc., etc. Ça, c'est du retargeting. Le retargeting, il va aussi arriver d'une autre manière, il va arriver ici, pour la page de, pour l'upsell. Donc, on part du principe que le client a acheté. Donc, s'il n'achète pas, il ne tombe pas là-dessus, il n'y a pas le reste. Donc, ça veut dire que s'il arrive sur cette page-là, c'est qu'il a acheté le produit. Et donc, on sait qu'il n'a pas acheté l'upsell. Et là, on va lui faire une pub qui va cibler cette page d'upsell. Je ne sais pas si tu sais, ton micro va. Je ne sais pas, David. Attends, pas tout de suite. Tu es déshydraté. Ah, ok. Pas de souci. Et donc ici, on est dans le retargeting pour pouvoir, ben voilà, imaginons, Monsieur X a acheté de votre produit de base, mais il n'a pas acheté l'upsell. Ben, on va lui faire une pub pour lui dire, est-ce que tu es au courant que tu n'as pas acheté l'upsell? Est-ce que ça t'intéresse? Voilà, parce que des fois, on dit souvent qu'il faut voir plusieurs fois le message pour que les gens l'assimilent. Peut-être qu'au début, ils n'en avaient pas besoin, puis ils vont se rendre compte. Donc, point 1, ce sont ce qu'on appelle les pages. C'est ici. Hop. Point 2, c'est la publicité Facebook, hein, principalement dans un premier temps, ici. Et le troisième outil qu'on utilise pour vraiment un tunnel parfait, ce sont des séquences email. Des séquences email, c'est quoi? C'est une suite de mails qui va être envoyée automatiquement aux personnes. Et là, on a trois suites différentes. On a la première qui arrive ici. Elle a trois mails. Vous vous rappelez, tout au début, je vous donnais une petite astuce en disant qu'on faisait un paiement en deux étapes. Première étape, c'était que les gens mettaient leur adresse mail, donc c'est-à-dire qu'elles rentrent dans notre base de données. Il y a des fois des gens qui mettent leur adresse mail et puis qui finalement n'achètent pas parce qu'ils n'ont pas leur carte de crédit sur eux ou d'autres excuses. Eh bien, notre première séquence de mail ici, donc la séquence 1, qu'on a appelée rappel et vent, ça va dire, tiens, dans trois mails, tiens, j'ai vu que tu avais laissé ton adresse, mais que tu n'as pas été au bout de ton achat. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et donc là, le but ici de cette séquence mail ici, c'est en fait de repousser le produit pour que les gens, ben en fait, voilà, il y a eu des soucis ou quoi. Alors, il se peut qu'ils ne soient pas du tout intéressés, mais là, alors, ils se désabonneront. Mais là, ici, c'est vraiment pour le relancer. Le deuxième, la séquence 2, elle va arriver au moment de l'upsell ici. Hop. Où là, on va, pareil, renvoyer plusieurs mails en disant, soit, tiens, tu n'as pas pris l'upsell, ou on va mettre peut-être un témoignage d'une personne qui va dire, ben, voilà, cette personne a utilisé l'upsell, ou on va apporter de la valeur. Ça, c'est la deuxième séquence qu'on va pouvoir automatiser. Et puis la troisième, elle arrive, alors là, c'est souvent les gens qui l'oublient, c'est dans l'espace membre. Donc, quand quelqu'un a acheté tout et arrive dans l'espace membre, on va lui envoyer des suites de mails qui vont avoir comme objectif de diminuer des remboursements si vous le faites, mais pour augmenter la satisfaction du client. Ça veut dire que certes, il a acheté. Là, des fois, les gens, ils s'arrêtent. Comme le client a acheté, ben, il ne nous intéresse plus. Hein, il a acheté le produit. Là, on va lui renvoyer une suite de mails qui va faire en sorte que soit on va lui redire, ben, écoute, est-ce que tu as des questions? N'hésite pas. Il y a un groupe, on va le relancer. On va lui rapporter de la valeur ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va peut-être lui offrir un cadeau supplémentaire, etc. Et donc, ici, l'addition de ces trois points-là, c'est ce qui, chez nous, a créé un produit qui a vendu plusieurs milliers d'euros, les premières semaines, parce qu'en fait, ça tourne tout seul. Une fois qu'on a mis tout ça en place, et on a un produit justement qui vous montre comment le faire, tout ça en 48 heures, en 48 heures, vous avez quelque chose qui tourne et qui est automatisé. C'est-à-dire qu'il y a la publicité Ads qui amène non-stop de nouveaux clients. Et puis une fois qu'ils sont dedans, bah, qu'ils aient acheté, etc., ils continuent, c'est parfait. S'ils se sont arrêtés ici, bah, ils ont des mails qui suivent, etc. Et on s'est rendu compte, c'est notamment pour cette séquence de mails-là, que ça a augmenté notre taux de conversion de 50%. 50% de personnes qui n'achetaient pas ici, quand on a rajouté la deuxième séquence, ont finalement acheté l'upsell. Et non pas qu'on les a forcés, c'est juste qu'on leur a montré qu'ils en avaient besoin, qu'il y avait ce petit plus. Et donc ceux qui ont vraiment ressenti ce besoin, ils l'ont acheté derrière. Donc voilà le schéma que je voulais montrer là aujourd'hui, qui est très simple, on dit souvent que c'est simple, mais ce n'est pas facile, mais qui permet d'avoir un tunnel de vente qui est rentable. Alors comme je le redis, c'est pour des... Ça marche sur des produits de moins de 100 euros plus ou moins, mais quand on fait le calcul ici du prix de base, du produit de base, plus de l'order bump, plus de l'upsell, on a un panier moyen de 164 euros. Et donc derrière, bah ça, voilà, ça augmente votre chiffre d'affaires. Vous en vendez 10, bah ça fait 10 000, non, ça fait 1 600 euros. Vous en vendez 100, etc., etc. Donc ça devient exponentiel. Ouais, c'est Donc ça. voilà ce que je voulais partager aujourd'hui, en tout cas, par rapport à ça. Top. Bah, écoute, merci pour ce partage. Donc alors, attends, du coup, parce que
On voit plus l'écran, on voit plus ton partage d'écran. Attends, je vais essayer de le mettre pour qu'on le voit. Mais donc, en fait, ce qui se passe, donc pour résumer, il faut partir avec un, donc on part avec un marché et un produit, en tout cas un public qu'on connaît. On sait qu'on a une solution pour ce public qui répond à un besoin. Donc ça, c'est validé avant le tunnel. Ensuite, Tout on à a le fait. tunnel qui est composé de pages, de publicités, de séquences email avec les différentes pages que tu nous as expliquées. Et donc l'idée, c'est de pouvoir amener des personnes avec de la pub sur une première page qui est directement une page de vente avec un order bump. Donc un order bump, c'est quoi? C'est, ben, si tu veux nous le réexpliquer comme ça. C'est en fait, c'est pas un upsell ou un upsell, bah les gens rajoutent en plus, c'est juste cocher une case qui dit souhaitez-vous en plus ceci. Je prends l'exemple, bah c'est en fait, on va prendre quand tu vas au McDo ou quoi, voilà, tu prends le menu Giant, bah il te demande en dessous est-ce que vous voulez une sauce Une et vous sauce, cliquez des juste sur frites, ouais. OK par rapport à la sauce, quoi. Et donc ça Et rajoute automatiquement sans devoir remettre toutes les infos, etc. d'ailleurs, les bornes, quand vous allez dans un fast-food aujourd'hui, les bornes sont vicieuses parce qu'elles vous proposent des bump orders et vous vous en rendez pas forcément compte. La Les sauce, sauces, les suppléments, le les... Ouais. dessert, petite petit envie de sucré, de machin, tu vois, c'est vraiment bien fait. Et en fait, on parle de ça, c'est énorme parce que McDonald's est connu pour ses upsells qui ont transformé, je pense, leur business, qui leur a fait gagner des millions à la fin d'année, rien que par la simple question, un grand le menu. Tu vois, Exactement. c'est un peu le... C'est pas, c'est un upsell sans être un. Mais l'idée est là, c'est que McDonald's utilise ça pour rajouter de la sauce, pour rajouter des boissons, pour rajouter un dessert, etc. C'est exactement pareil. Donc, c'est pour montrer que les tunnels de vente, il n'y a rien de nouveau en fait. Ça existe depuis le début des temps. Quand vous allez au restaurant et qu'on vous dit, tiens, vous prendrez un peu une bouteille de vin ou une bouteille d'eau, bah, c'est un upsell. C'est Parce qu'à la ça. base, vous n'en avez peut-être pas envie, mais ils le proposent et Tout à donc fait. vous Et augmentez votre panier moyen. ce qui est intéressant avec le bump order, c'est que aussi on pourrait se dire, ouais, mais du coup, on peut faire deux produits, enfin, deux propositions de produits côte à côte. Mais non, là, c'est en fait, le produit de base et le bump order, c'est un produit, enfin, c'est quelque chose qui vient compléter le produit. Et donc, la personne, elle se dit, ouais, je vais investir là-dedans. C'est con parce que pour quelques euros de plus, je pourrais avoir quelque chose de plus complet et du coup, je vais cocher. Et ça fonctionne très bien, par exemple, pour des produits à 7 euros et tu vends quelque chose à 27 ou 37, voire 47 euros à côté. Je me souviens, par exemple, les Américains font souvent ça, tout ce qui est retranscription, etc. Mais ils te vendent ça en bump order et du coup, ben, soit tu achètes à 7 euros, tu as la vidéo, mais si tu veux la retranscription, les fiches pratiques, fiches imprimables, etc., ben là tu payes en plus par exemple. Il y en a qui font ça aussi pour les sommets aujourd'hui. On a eu beaucoup avec ce confinement. C'est gratuit le sommet, mais tu as un order bump qui te propose un pass VIP, quoi. Où tu cliques en Exactement, disant, tout bah, à tu fait. auras. Alors, la limite entre l'order bump et l'upsell, hein, est limite, mais c'est vraiment dire, bah, OK, là, les vidéos, si vous le faites gratuitement, vous y avez accès que 48 heures. Mais si vous prenez l'order bump, vous y avez accès à volonté, quoi. Yes, il y a Donc, aussi en le fait, l'order bump côté. est le produit, mais un peu amélioré, quoi. Ça. Tandis que l'upsell est un autre produit totalement différent. Et rien que ça permet d'augmenter le panier moyen parce qu'on passe d'un produit à un tarif X à entre guillemets un produit à un tarif plus élevé puisqu'en fait c'est juste la personne a coché une case et elle a directement accès à ce bump order et c'est directement facturé évidemment. Les gens qui viennent par la pub, qui repartent, on les retarget, donc avec Facebook par exemple, ou n'importe quelle régie publicitaire d'ailleurs, permet le retargeting. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on renvoie une publicité à ces gens qui sont venus visiter le site pour leur redonner envie de venir sur le site parce qu'ils n'ont pas acheté. Est-ce que je suis bon jusqu'à présent? C'est ça, tout à fait, ouais. À ces gens qui ont visité mais qui n'ont pas acheté, comme ils ont dû laisser leur adresse email avant de commander, on peut leur envoyer des mails en leur proposant d'acheter le produit qu'ils n'ont pas acheté, en leur donnant des bonnes Oui, c'est raisons, ça, ouais. en Ou leur répondre à leurs apportant, questions, apporter de la valeur, apporter de la etc., tout à valeur, fait. etc. Une fois que la personne a acheté sur la page de vente, elle est redirigée vers une page d'upsell. Page d'upsell qui lui-même aussi, si la personne n'achète pas, on lui renvoie des emails. C'est la séquence 2 dont tu parles sur ton schéma. Tout à fait. Avec aussi du retargeting toujours, hein. Donc là, on peut retargeter les gens qui sont venus sur la page de vente et qui n'ont pas acheté, les gens qui sont allés sur la page d'upsell et qui n'ont pas acheté. Et ensuite, on dirige vers une page de remerciement avec une séquence 3 qui se trouve dans l'espace membre.
très très intéressant ce que tu as partagé à ce point-là, parce qu'effectivement, c'est pas parce que quelqu'un a acheté qu'il a plus besoin de contact. Et donc c'est très intéressant effectivement de lui donner envie de consommer le produit, parce que s'il consomme pas le produit, il achètera plus et il sera pas content. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Et en fait, c'est aussi une volonté d'aider vraiment. Et c'est, j'en reviens dessus, c'est, tu as deux types de personnes. Tu as ceux qui veulent juste vendre et donc qui s'arrêtent au moment où on est sur la page de remerciement et au revoir. Mais moi, il y a cette frustration derrière de, allez quoi, tu peux le faire, tu peux le faire. Et donc, nous, notre but, c'est vraiment d'augmenter les résultats là-dessus parce que, comme tu dis, il va pouvoir réacheter. Mais aussi derrière, il y a cette mission de base qui est vraiment d'aider les personnes. Et moi, il y en a plein, je sais, qui achètent des trucs sans aller plus loin. Et là, j'ai envie de dire, OK, avec cette suite de mails-là, parce que voilà, pour certains, 164 euros de panier moyen, c'est pas beaucoup. Voilà, on les a mis comme ça. Mais j'ai vraiment envie que tu aies des résultats parce que derrière, c'est ce qui fait la meilleure des publicités. Derrière, Ah, c'est bien le sûr. bouche à oreille qui marche le mieux. Donc, Puis des c'est important. témoignages aussi à C'est récolter ça. par la suite. Et Tout à fait. moi, je trouve que ce qui est le plus important quand tu vends une formation, la chose en tous les cas que je conseille aux personnes que j'accompagne et que je mets en application pour moi-même, c'est récolter le plus vite possible des exemples de réussite de gens qui ont appliqué ce que tu partages dans ta formation. Tout à Par fait. exemple, avec la formation sur l'écriture et la publication, mon objectif, ça va vraiment être d'avoir sur les 10 entrepreneurs, mon défi va être que 8 d'entre eux, en 3 mois, aient publié leur bouquin. C'est un grand défi, je vais vraiment tout faire pour y arriver, en sachant que j'ai pas, je suis responsable d'accompagner les gens, je ne suis pas responsable des actions qu'elles mettent en place. Mais voilà, je pense vraiment que c'est extrêmement important d'effectivement accompagner. Alors, je ne l'avais pas précisé, mais pour moi, c'est d'une logique implacable. On est sur les cafés virtuels du business bonheur. On est dans un cadre bienveillant. Notre objectif en tant qu'entrepreneur, c'est d'apporter de la valeur pour rendre le monde meilleur. Mais tu as raison de le justifier, de le notifier, parce qu'effectivement, encore une fois, le tunnel, c'est un outil. Il peut être utilisé maladroitement ou bien même, on va dire, négativement. Super. Donc, moi, il y a une question qui me vient à l'esprit. À quel moment est-ce que tu mets le fameux lead magnet? Tu vois, donc le lead magnet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un produit qu'on va offrir gratuitement. Dans ce schéma, tu n'en as pas parlé. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons pour lesquelles tu n'envoies pas de pub sur un lead magnet dans votre stratégie à vous, hein, puisqu'il y a plein de stratégies, on peut essayer de toute façon, vous pouvez essayer, vous qui nous suivez, votre propre stratégie. Maintenant, il y a des stratégies prouvées, il faut les utiliser aussi. Voilà. Pourquoi est-ce que tu n'envoies pas du trafic payant sur un lead magnet? Bah écoute, parce qu'en fait, dans le cadre des derniers produits qu'on a lancés par rapport à ça, le besoin était tel qu'on n'en avait pas besoin en fait. Le lead magnet, c'est souvent, bah oui, quand tu te lances un peu bah, pour capter de la notoriété, capter des mails aussi et apporter déjà de la valeur. Mais là, ici, en fait, on s'est dit, on va tester comme ça direct et les résultats ont été directs en fait. Et donc, on n'a pas eu besoin de ce lead magnet derrière, tout simplement. Et donc, il se peut que dans certains business, il y ait besoin, avant de vendre un produit directement, d'un lead magnet. Donc, c'est un produit gratuit qui permet de capturer les coordonnées des gens et de leur vendre après un produit, après les avoir, entre guillemets, Tout à initiés, fait. informés, etc. Ok, Ça fait super. pour les autres produits, bah pour les produits plus programmes qu'on compte lancer avec ça, il y aura derrière effectivement des webinaires, des comment dire, des appels. Hein. L'appel peut être un lead magnet puisque c'est du coaching offert pendant 1 heure, etc., qui vont permettre effectivement de pouvoir donner la possibilité aux gens de nous connaître. Là, ici, par rapport à ce produit-là, il n'a pas besoin en fait de nous connaître parce que c'est le produit qui se vend, ce n'est pas nous. Le produit est bon derrière, est utile et ce qu'on appelle une offre irrésistible. Et donc, on n'a pas besoin de lui donner le besoin de nous connaître. Alors après, Exactement. effectivement, il y en a qui vont dire, ouais, mais on ne les connaît pas, on n'achète pas. Mais derrière, je sais qu'ils en ont tellement besoin que ça se vend en fait directement, quoi. Yes, c'est ça. C'est un petit peu comme le pain au chocolat en boulangerie, ils se vendent tout seuls, quoi. C'est ça, ouais. Je dis ça en rigolant, mais dans une de mes formations, un faux produit 5 jours, j'appelle ça l'offre petit pain. Et en fait, moi, ça me fait kiffer parce que quand je passe dans une boulangerie, t'as l'odeur, on va dire, c'est lead magnet, et puis t'as le pain au chocolat, t'as envie de l'acheter. Mais Voilà. par contre, par rapport à la séquence 3, dans les boulangeries, des fois il y a ça, c'est qu'en plus, ils te mettent sur le côté, une fois que tu as acheté, bah, ils te mettent, bah, vous pouvez vous servir un petit cookie ou un truc comme ça qu'on vous offre, quoi. Donc c'est aussi pareil, quoi. Ouais, tout C'est à fait. l'expérience. En fait, c'est toute une question d'expérience client. Je pense que c'est Yes. vraiment ça qui va résumer un peu notre échange ici, c'est vraiment ça, quoi.
Yes, et même chez nous ici, on a un boulanger du village. Il fait des choux, mais des choux à la crème, mais c'est une crème pâtissière. Je sais pas comment il fait, c'est un mélange de crème pâtissière avec autre chose. Et en fait, il nous le vend pas. Il sait qu'on l'a déjà goûté. Il arrive avec un plateau, il dit, tenez, goûtez-moi ça. Tu goûtes, 9 chances sur 10, tu repars avec 100 grammes, 200 grammes. Et je t'assure que la marge sur les choux, c'est vachement plus. Il y a vraiment une marge vachement plus grande sur les choux que sur les pains au chocolat. Ouais, tu parles de marge, etc. Mais c'est vrai qu'aussi dans ce genre de concept, c'est pareil, c'est très rentable. Pourquoi? Parce qu'au début, bah, tu vas rentabiliser le temps que tu as passé à créer ton produit, à créer ici tout le système. Et après, le seul frais que tu auras, c'est les ads à faire tourner. Un chiffre qu'on avait, c'était qu'à un moment donné, on tournait à 15 euros de pub ads par jour pour 500 euros de chiffre d'affaires qui rentrait derrière. Mais c'est ça la rentabilité aussi qui est incroyable, c'est que en fait, c'est les premiers qui vont rentabiliser, mais une fois que tu es dans la rentabilité, ça c'est du bénéfice pur, quoi. Ouais, c'est ça, tu réinvestis même C'est une ça. partie de l'argent généré qui autofinance la publicité et tu peux améliorer aussi ces pubs, etc., etc. Super, bah écoute, on a vu pas mal de choses. Je pense que c'est qualitatif. J'aime bien aussi la manière dont tu as présenté les choses parce que voilà, ceux qui s'y connaissent en marketing internet vont dire ouais, d'accord, c'est bateau, etc. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est applicable pour quasi tous les business, toutes les thématiques en tous les cas, où on peut vendre à un moment donné du savoir. Puisque là, on n'est pas dans la vente de prestations, on n'est pas dans la vente de vendre son temps ou d'échanger son temps contre de l'argent ou de vendre du coaching. Je parle vraiment dans ce qui est affiché à En l'écran, fait, on est pas. sur des produits. On est sur des vrais produits. Alors, les produits digitaux, il y a quoi? Ben, ça peut être des templates, ça peut être des e-books, ça peut être des livres, ça peut. C'est vraiment un produit. Et donc là, à ce moment-là, la scalabilité, donc la croissance, est exponentielle puisque là, votre temps ne dépend pas de vous. Et donc, c'est comme ça que des fois, au début, tu sais, quand je n'avais pas ce mindset-là, je me disais, mais comment est-ce qu'il y en a qui arrivent à gagner des 300 000 euros en travaillant quasi rien, quoi? Et en fait, il a fallu que je regarde pour voir comment il fonctionnait. Et ça, c'est le genre de truc, quand vous vendez des produits, bah, faites un calcul très simple. 164, vous faites deux ventes, ce n'est pas beaucoup, mais vous en faites sur l'année, vous en faites peut-être 400-500. Bah, le chiffre d'affaires augmente tout de suite. Alors qu'en soi, là, on vient de créer un système qui est automatisé. Ou alors, de temps en temps, bah, il faut aller revoir les ads, comme tu dis, aller voir si tous les liens fonctionnent bien, etc. Mais ça tourne tout seul, quoi. Yes. Cool, bah écoute, merci beaucoup Lucas. Alors, si vous voulez aller plus loin, si toi tu veux aller plus loin, toi qui nous regardes ici, je te mettrai dans la description le lien vers le produit dont Lucas a parlé tout à l'heure, où donc vous apprenez ton collègue et toi aux entrepreneurs à répliquer ce que tu viens de nous expliquer, idéalement en 48 heures. Alors, ça dépend si on est à balèze en technique ou pas, je pense aussi, mais en tous les Alors, cas. en fait, ouais. Si je peux juste Oui, vas-y, je t'en l'expliquer, en prie. fait, effectivement, là, il y a le schéma qu'on avait déjà créé, mais il y a un gros problème qui reste derrière, c'est qu'effectivement, il y a les textes, le copywriting, il y a écrire les pages, il y a écrire les mails, il y a écrire les publicités. Et nous, ce qu'on a créé, ce qu'on a découvert à force de faire, c'est la puissance des scripts. C'est-à-dire qu'on a mis en place des scripts tout faits, où vous n'avez qu'à remplacer, adapter un peu, hein, je ne dis pas qu'il faut copier-coller bêtement, mais vous n'avez qu'à adapter les pages de vente qui ont déjà toute la structure avec bah, votre clientèle, la promesse que vous faites, le nom de votre produit, etc. Et en fait, notre promesse, c'est qu'en 48 heures, et d'ailleurs, il y a vraiment un timing étape par étape qui vous aide à dire, bah, voilà, là, tu commences par ta page de vente, ça va prendre 2 heures, ok, tac, 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 tac. Et en 48 heures, vous avez vos pages de vente, vos emails et vos publicités qui sont écrites et qui sont prêtes à être mis dans le pipe. En gros, dans tout ce travail-là, ça va vous prendre logiquement un week-end, donc 2 jours, allez, trois si vous êtes un peu paresseux. Mais après, 90% du travail est déjà fait. Après, ben, il faut améliorer peut-être un peu les pubs, etc., voir un peu les conversions. Mais voilà, ça, Et c'est au moins vraiment le le. produit phare qu'on a décidé de lancer et qui cartonne. C'est vraiment le business script secret, ça s'appelle. C'est des scripts qui vont vous aider à gagner beaucoup, beaucoup de temps là-dedans. Yes, donc c'est vraiment. Il faut vraiment idéalement avoir au moins 2 journées complètes, entre guillemets, enfin complètes, on va dire 8 C'est heures, ça. sur C'est pour ça qu'on laquelle dit le week-end, on. hein, Ouais, c'est ça. parce que Très souvent bien. les gens sont plus light le week-end. Et Ok. donc le week-end, en un week-end, ça peut être fait, quoi. Ok, top. Et donc, en partant bien du principe que la personne a déjà son offre.
Alors, il y a dans les bonus, il y a une formation que j'ai faite sur comment créer une offre irrésistible. Parce Donc voilà, qu'effectivement, on a comme je dis, tout. je réfléchis tout jouer. Top. Super, bah écoute, merci. Je ne sais pas si le lien est partageable entre guillemets de vive voix. Si oui, je t'en prie. Sinon, je mettrai le Non, il est un lien. peu plus compliqué, donc je le mettrai. Ça va. Limite, ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à à mettre en commentaire Business Script Secret et je vous l'envoie en message privé si vous le souhaitez. Top, ça va. Moi, je le mettrai de toute façon dans Ça la va? description du live. Écoute, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Est-ce que tu as envie de partager encore quelque chose? On arrive au bout de ce 33e café virtuel, hein, le troisième de la saison 2. Je suis vraiment content de pouvoir partager tous ces contenus. Est-ce que je peux te demander pour la fin de couper le tableau blanc? Comme ça, je nous remets un petit peu en plein écran. C'est quand même plus sympa. Voilà. Voilà, donc comme ça. Mais donc oui, donc est-ce que tu as envie de partager quelque chose encore? Bah écoute, Ça peut pour être moi, un la message conclusion. ça doit pas spécialement être en lien avec la thématique, mais tu peux parler aux entrepreneurs qui nous regardent ou qui regarderont le replay. Bah, ceux qui regardent, c'est vraiment de ne pas faire comme j'ai fait à l'époque, de juger ça, c'est vraiment de le tester d'abord avant de pouvoir prendre une décision. Aujourd'hui, on parle beaucoup de digitalisation d'entreprise, mais pour moi, il n'y a que un des trois piliers de la digitalisation qui est utilisé. Aujourd'hui, quand tu parles à une entreprise ou à quelqu'un qui dit, est-ce que tu es digital? Il dit, bah oui, je communique sur les réseaux sociaux. Pour moi, être une entreprise ou un business digitalisé, c'est un, effectivement, la communication qui est digitalisée, communiquer sur les réseaux sociaux. Deux, c'est l'offre qui est digitalisée, donc c'est des produits digitaux, etc. Et le troisième, c'est l'automatisation. Comme on en a parlé, le tunnel de vente qui va vous faire gagner du temps pour vos rendez-vous, vos prospections, c'est la digitalisation, c'est l'automatisation. Et une fois que vous avez ces trois points-là, ces trois piliers, vous avez un business qui peut tourner non plus autant que vous allez mettre, mais qui va pouvoir devenir exponentiel puisque votre temps devient de plus en plus précieux. Vous pouvez l'utiliser pour les bonnes choses. Yes, à noter que soyez prudent, qu'automatiser quelque chose qui fait perdre de l'argent, c'est automatiser une perte d'argent aussi. Donc il faut être prudent à ce niveau-là. Tout à Merci fait. Lucas en tout cas pour ce Merci à partage. toi. On se croise bientôt. Je fais la clôture habituelle. En tous les cas, c'était vraiment un grand plaisir de te partager, toi qui nous regardes aujourd'hui en direct ou en replay ce live. Merci encore Lucas pour la valeur apportée. Je t'invite à indiquer en commentaire quelles sont les éventuelles questions que tu as envie de poser. Si tu as envie d'en savoir plus sur le programme de Lucas et son collègue, tu tapes Business Script Secret en commentaire et il t'enverra le lien. Et en tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. Et c'est avec grand plaisir en tous les cas que ces lives Café Virtuel du Business Bonheur ont lieu. Je me permets juste de te rappeler. Comme habituellement, rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David de l'Académie Business Bonheur avec son invité, Lucas Beguin. Merci Lucas, à très vite. À bientôt. Hello, c'est David. David, si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. Yes.